c'est bon, c'est au bout. Enfin un poisson. Voilà, on est arrivé sur la Maine. Donc on est arrivé la veille pour repérer les spots et d'éventuels poissons, puisque c'est une rivière que je connais pas. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un cadre assez sauvage, puisqu'il y a la Loire qui est pas très loin. Et quand vous remontez la Maine un petit peu plus haut, là vous avez vraiment un cadre urbain, ce qu'on peut retrouver comme sur Paris, des choses comme ça en plein centre-ville. Donc là on est parti pour aller repérer la tenue des silures pour être optimal demain matin. Donc on a été repérer les spots, on a trouvé quelques belles fosses, on a trouvé des belles dérives à faire, on a vu quelques poissons, mais rien de bien flagrant, on a essayé de leur glisser 2-3 vifs, mais sans résultat pour l'instant. En attendant, il y a un bel orage qui arrive, qui monte, et demain matin, je me lève de bonne heure, donc eh ben, je vous dis bonne nuit et à demain. On vient d'arriver sur le lieu de pêche, donc on est sur une fosse qu'on avait repérée hier en arrivant. Là je vais tenter une approche au teaser avec ver de terre, et derrière donc je laisse dériver une canne au flotteur avec des vifs qu'on a acheté hier au magasin. Donc on va bien voir ce que donne la journée.
c'est au bout. Bon bah voilà, c'est la pêche cassée malheureusement. C'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, il se situait vraiment proche bordure, donc dans une fosse de 7 mètres. Premier poisson loupé de la journée, enfin cassé même. C'est le jeu. C'était beau. Bon ben voilà, premier poste fait. Donc on n'a pas eu de chance, on se prend une casse. On a vu pas mal de chasses d'aspe, pas mal de blancs. Mais ça en plus, on l'a poncé donc avec du shad, au crank, en vertical, au ver de terre, au vif. On a tout essayé et on a déclenché qu'une touche. Journée difficile, mais enfin un poisson. Il fait plaisir celui-là. On a cherché plein de postes, on a trouvé des poissons, on s'est pris plein de refus. Donc un poisson comme ça, peu importe la taille qu'il va faire, ça fait plaisir. Un poisson. Et ben celui-là, il fait vraiment plaisir. Aller chercher toute la journée, à se prendre des refus, ça fait vraiment plaisir. Bon, voilà un poisson d'un 20 à 30 à peu près. La pêche est difficile en ce moment et ça fait vraiment plaisir. Petit bilan de la journée. Donc ce matin on a quand même peiné à localiser le poisson, puisque maintenant les poissons connaissent la chanson. Il y a une pression de pêche qui est énorme sur cette rivière. Une journée vraiment vraiment compliquée. Malgré les différentes techniques utilisées aujourd'hui, on s'est pris pas mal de refus, même énormément. Donc les niveaux d'eau ont monté, ils ont lâché un peu d'eau dans les barrages et bah, toute l'herbe a suivi derrière, donc très très compliqué à pêcher. Puis en fin de journée, le poisson qui est venu sauver le capot, un peu la Mireille quoi. Ça fait partie de la pêche, il faut une partie de chance. Donc cette fois-ci je fais qu'un poisson, la prochaine fois sera mieux. J'espère vous revoir au bord de l'eau, puisque la pêche avant tout c'est vraiment du partage, une passion. Donc j'espère vous croiser, pouvoir discuter pêche et pourquoi pas faire une session.